Stop eggs aussi, à vous. Texte. L'oranger. Sitôt qu'on avait traversé la pilier et franchi la porte du fond, on apercevait l'oranger. L'arbre, si je le compare aux géants de nos forêts, n'était pas très grand, mais il tombait de sa masse de feuilles vernisées. Une ombre compacte qui éloignait la chaleur. Quand il fleurissait, une odeur entêtante se répandait sur toute la concession. Quand apparaissaient les fruits, il nous était tout juste permis de les regarder. Nous devions attendre patiemment qu'ils puissent mûrir. Mon père, alors qu'il, en tant que chef de famille et chef d'une innombrable famille, gouvernait la concession, donnait l'ordre de les cueillir. Les hommes qui faisaient cette cueillette apportaient au fur et à mesure les paniers à mon père, et celui-ci les répartissait entre les habitants de la concession, ses voisins et ses clients. Après quoi, il nous était permis de puiser dans les paniers. Et à discrétion, mon père donnait facilement et même avec prodigalité. Quiconque se présentait partageait nos repas. Et comme je ne mangeais guère aussi vite que ses invités, j'eusse risqué de demeurer éternellement sur ma faim si ma mère n'eût pris la précaution de réserver ma part. Camarade là et l'enfant noir. Question 1. Quelle est la durée de vie d'un oranger? 2. Quel rôle jouent les feuilles des arbres? 3. Quel est le rôle du chef de famille dans les textes? 4. Montrer comment le chef de famille se comporte avec son oranger. 5. Quelle leçon tire-t-il dans ces textes? 6. Quelle est l'importance de l'arbre? Bon.